Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hands for freaky time. It's time to clap your hands for freaky time. It's any all Eldivia. Salut les amis, on est hey retour, on est salut, après c'est brief. Voilà, après c'est parti. Petite conférence Ubisoft les amis, on va parler des jeux qui nous ont intéressés et, ouais, et qu'on juge. Il y en a. Et vous allez voir que pour certains, on est beaucoup plus hypé que la conférence qu'on a fait sur Microsoft. Franchement, clairement, ouais. Non, mais s'il vous plaît, s'il y a un truc qu'on doit retirer, clairement, c'est Just Dance 2018. Ouais, après, voilà, on n'en parlera pas. Ça, voilà. Donc, n'insistez pas, on le fera. Non, mais déjà, oh, ouais, y a un jeu le départ. En 2018. Bon, allez, vas-y, Victor, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Pourquoi est-ce que il y a un avantage au niveau du départ par rapport à hier, ouais, la conférence Xbox? Ils ont commencé. Ils ont commencé avec un bon jeu, ouais, qui est Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Donc c'est ouais, RPG, lapin crétin, crossover improbable. C'est ça. On s'est dit, qu'est-ce que ça a donné ce truc-là, quoi. Mais je t'en prie, Montonio, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je suis plutôt surpris. J'avoue que j'avais vu quelques vidéos et tout sur l'annonce. J'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Et vu les quelques images de gameplay qu'on a eues, bah, ça a l'air bien sympathique. Ouais. C'est-à-dire que c'est du tour par tour, un peu à la Fire Emblem, en fait. Vous placez vos persos, ils se déplacent, vous attaquez, tac-tac. Et mais ça a l'air bien foutu, ça a l'air très bien foutu quoi, à la Nintendo, avec la petite touche Ubisoft du coup, cartoon des lapins crétins. Tout à fait. Mais moi perso, il m'a bien hypé. Donc toi, t'es hypé, ouais, et t'es rassuré par rapport à ça. Je suis très rassuré. Ouais. Alors en ce qui me concerne, moi j'y croyais pas du tout, je vous avoue quoi, mais ouais, pareil, mais comme Tonio, donc je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Apparemment ils ont respecté la licence Nintendo, il y avait même Miyamoto qui venait en personne pour putain, présenter vrai, le jeu avec le président, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, excuse-moi monsieur le président d'Ubisoft, pardon. Mais il y a Miyamoto qui a fait le déplacement, ouais, moi j'étais persuadé qu'on allait le voir surtout dans, pas la conférence, mais le Nintendo Spot la, Live, là, je sais pas comment il sera demain. Ils vont le remettre à mon avis demain, ouais. Donc mais attendre de voir du gameplay en plus, ce qu'on a vu c'est rassurant, et c'est un RPG, mais... Allons-y, on va voir. Bah, écoute, ouais, on va voir. Quand ça a été annoncé, je m'attendais à la partie game, je me suis dit ça va être nul. Finalement, ils ont dit que c'était un RPG, je me suis dit, ah, oh, ça peut être pas mal. Mais ça a été confirmé, ça a l'air plutôt sympa. Non, ça a l'air vraiment. Ça a l'air honnête. Vois, honnête. Ouais. Honnête, allez, c'est on valide. Ça. On valide, ouais, allez, c'est validé. Ça, c'est validé. Alors, on reste chez Ubisoft. Du coup, bah forcément, le nouveau Assassin's Creed avec Assassin's Creed Origins. On en a revu des images. Voilà. Ouais, oh. Un nouveau trailer, quoi. On a eu des images sur un sur écran de 2 pouces, quoi, sans déconner, ça les mecs. Le 3, quoi. Ils ont passé plus de gameplay ouais, après, voilà, après la conférence. On parle là, ouais, ils sont en train d'en faire. C'est pas grave. Ils ont prévenu, ils ont dit vous inquiétez pas, vous allez rebouffer du Assassin's Creed. Ils m'ont dit ce qu'on avait à dire hier, ça, plus voilà, de RPG, plus de magie, ça a l'air cool. L'univers égyptien, c'est super sympa. Voilà, il y a rien à en dire de plus. Vous connaissez notre avis par rapport là-dessus, on l'attend quoi qu'il arrive. Ok, alors du coup, après il y a The Crew 2 aussi. Rien à foutre. Voilà, rien à foutre. C'est pas le truc. Mais... Alors, tous les véhicules, c'est bien, mais j'ai peur qu'ils se tapent dans leurs idées, donc moi j'en ai c'est rien ça, à faire. C'est ça. Alors, on en revient du coup à South Park, The Fractured But Whole. Putain, depuis le temps qu'on. Littéralement, ouais, l'anel du destin en français. Du coup, c'est propre. South Park, ça vend du rêve. C'est ça. Et bah, écoutez, ça a l'air super, et puis on va se marrer, hein, voilà. Déception. Parce qu'il sort pas sur Switch. Ouais, ouais, c'est pas grave. Parce que ça, c'est bien dommage, les potes. Parce que. Ça, il jouait dans le train et tout ça. Sur Switch, on a ça. On a ce qu'il faut graphiquement. On a tout ce, enfin, il y a tout ce qu'il faut sur Switch pour le sortir aussi. Et en plus, t'as la version portable et pour un RPG, c'est toujours sympa, moi, je trouve. De pouvoir y jouer quand t'es en voyage. Ah, mais clairement. Ouais. Moi, je suis vraiment déçu de ça parce qu'on voit qu'il sort sur mobile, il sort sur toutes les autres consoles et pas la Switch. Sur mobile, c'est un autre jeu. C'est un autre jeu, mais c'est la même licence, on va dire. Ils sortent Fun Destroyer sur mobile qui est aussi un système de combat avec plein de classes, etc. C'est ça. La déception, c'est ça pour moi. Mais vu que le premier était bien sympathique, là, le Stick of Truth, ouais, celui-ci me tentait bien et c'est vrai que je suis déçu, moi aussi, qu'il soit pas sur PC. Je l'aurais sur PC si je veux y jouer. Ouais, mais toi, oui, mais pense aux autres copains. Ouais, je jouerais sur PS4, ouais, mais la version mobile, moi je te dis, ça m'aurait vraiment. Oh ouais. Et là, me faites pas croire que c'est des problèmes techniques. Hein. C'est vrai. Non. Du coup, après, Skull and Bones qui a été annoncé. Ouais, qui était Skull and une nouvelle ID. Ouais. Inspiré apparemment bah, ouais, des combats de Black Flag. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Mais en ce qui me concerne, dans ce jeu, ben c'est bien qu'il s'inspire de Black Flag, mais ce qui me fait peur, tu l'as souligné aussi toi, Tonio, ouais, c'est que apparemment pour
Merde, comment on appelle ça, c'est pour aller... L'abordage. L'abordage, merci. Ouais, c'est ça. Mais apparemment, mais ça sera pas comme un Black Flag, hein. Ça sera pas du combat aérien. Ça sera pas non plus ça du For Honor ou quoi que ce soit, les gars. Non, non, exactement. C'est vraiment concentré sur les batailles des bateaux. C'est très axé bataille navale. Il y a des gens qui adorent ça et c'est pas mal, mais du coup, ça va plutôt être... Est-ce qu'ils vont rajouter d'autres trucs? Après, on a bien un Kraken, quand même. Il y a la hype du Kraken, voilà, moi ça m'a pas fait plus vibrer que ça, moi c'est à surveiller, enfin, mais... Voilà, ce sera pas Day One en fait, on va regarder ce que donne le jeu et peut-être qu'on l'achètera. Si personnellement, cool, qui est le Kraken et tout ça, ok, ça veut dire qu'il y a un côté fantastique, mais bon, c'est pas ça qui fait le jeu en lui-même. Mmh. Maintenant, moi ce qui me fait peur, c'est que, on le sait tous, ça va quand même être un jeu qui va coûter 60€, voire plus, comme tous les jeux qui sortent, voilà. Surtout juste avec la qualité graphique. Exactement. Et j'ai peur que du coup, pour un jeu qui ne propose que des batailles navales, après avoir, peut-être il y aura, je sais pas, des courses de bateaux, peut-être qu'il y aura d'autres trucs, je ne sais pas, c'est l'alpha qu'ils ont montré. Mais s'il n'y a que ça, je pense que ça va faire très pauvre pour un jeu aussi cher. En fait, tu auras envie d'y jouer, tu vas y jouer 10 heures et puis après ça va te lasser peut-être. On va voir, on peut pas dire grand-chose. On parle encore d'une nouvelle IP qui, moi, m'a bien hypé. Vas-y. C'est Starlink Battle for Atlas. Alors qu'est-ce que c'est ça? Explique-nous. Ouais. Du coup, c'est un système de combat spatiaux. Où tu peux aussi aller sur les planètes en rasmote, du coup, et tirer sur la faune, etc. Enfin, bon, voilà. Et en gros, le système, ça va être. Alors, ça sort sur Switch, mais du coup, en fait, ils vont vendre des pièces de vaisseaux spatiaux séparément. Je suppose que tu pourras aussi acheter le vaisseau tout court. Et en gros, en fonction de ce qui se passe, tu peux échanger des pièces pour gagner des boucliers, changer d'armes, etc. C'est ça. Et un peu à la. Comment ça s'appelle? Skylanders, en fait. Tout ce qui était Skylanders, Disney Infinity, voilà, bah voilà, j'en passe, vous les connaissez les trucs, mais... c'est super joli. Et là, tu peux là, mais justement, attends, parce que moi j'ai donné mon avis aussi. Vas-y. Je peux? Merci, j'ai le droit. Fais-toi plaisir. Donc du coup, mais moi je suis tout content parce que j'avais peur que le Mario Rabbit, là, c'était le seul jeu qu'il avait proposé sur la Switch, à part le Dungeons de mes couilles. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on l'a vu que quand même, la Switch, elle peut proposer des beaux graphismes. Ouais. Voilà, parce que quand on l'a vu, on savait pas que c'était sur Switch, c'est vrai. Après, on l'a vu avec la manette, et c'est rassurant. Donc, c'est-à-dire que là, ils utilisent le moteur, l'Unreal Engine 4, je pense. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et que ça pète. Après, les gamins, ils vont kiffer, parce qu'il y a ce côté Lego, tu transformes ton robot et tout ça. Bien sûr, la directement sur les spatiaux et tout, t'es content. Donc, moi, je suis curieux, et je suis ravi de savoir que ça sort sur Switch. Ouais. Voilà. Pareil. Ok, ensuite on a Steep. Bon, je peux parler vite fait. Alors, Chef, tu vas être content, mon gars, Chef, tu vas être content. Et moi, je rejoins Chef quand même parce que c'est vrai que je l'attendais sur Switch. Ils font une grosse mise à jour, alors déjà ça sort sur Switch, mais ils font une grosse mise à jour du coup pour les jeux d'hiver. Ouais, puis ça passe en Chine, j'ai pas retenu le nom. Oui, je vais pas faire semblant de le connaître. Voilà, le nouvel trailer, voilà. Les jeux d'hiver de Chine, c'est cool. Voilà. Donc, ouais, c'est bien ça. Ensuite, Far Cry 5. Vas-y Tonio. C'est ce que je dis depuis un certain moment, c'est-à-dire que ce qui s'était passé entre le 3 et le 4 de Far Cry, bah, niveau gameplay, t'avais, pour ma part, hein, et pour beaucoup d'ailleurs je pense, zéro différence. Zéro. Quelques petits détails, mais zéro différence. Ah oui, ils s'entendaient tous. Et celui-ci, du coup, le 5, mais j'ai l'impression que ça va être pareil. Alors, il y a de la coop, apparemment. Il y a la coop. Ouais, la coop, t'as une gestion d'équipe et tout, plus ou moins pendant tes attaques. Mais à part ça, ça a l'air d'être exactement le même que les autres. Moi, c'est ce qui me fait peur. Et c'est ce qui fera que, très certainement, je vais pas m'attarder dessus. Quoi. Ouais, et je dois avouer que le trailer, il était pas terrible, parce que finalement, c'était juste, bah, regardez, on peut tuer des gens. Ouais, c'est violence gratuite. Hein, voilà, ouais. Ce que tu peux faire dans tous les jeux depuis 10 ans, donc ouais, voilà, merci, mais c'est... T'as cette espèce de côté... fun entre guillemets du GTA like quoi. Ouais, le côté bac à sable, non mais. C'est ça. Les amis, si vous avez tué les gens de manière différente, les joueurs Dishonored, vous pouvez regarder sur internet, il y a des vidéos, des gens qui tuent. Vous avez 200 façons de tuer le boss de fin, tu vois. J'ai envie de te dire, voilà, tu. Dishonored comme plein de jeux dans lesquels il y a mille et une façons de tuer des mecs. C'est pas. Non mais je rigole. C'est pas variable. Non, moi il m'intéresse pas, il y a des jeux plus intéressants, vas-y. Ah ouais, je suis d'accord. On a presque fini pour cette conférence, mais on va parler de. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, qu'est-ce que c'est? J'attends ça. Depuis des mois, les putain amis, je veux des news sur ce jeu. Il nous a fait chier. Et j'avais raison. J'ai failli me faire chier dans cette conférence. Vraiment. Ouais, et à la fin, ils nous mettent une petite ambiance avec quelques vaisseaux spatiaux. Du coup, le côté science-fiction. On arrive dans un resto chinois et là, on voit une patte à trois doigts de cochon qui prend la bise. Et j'étais là. Oh mon dieu, c'est Beyond Good and Evil 2, les amis. Et c'était Beyond Good and Evil 2. Et le trailer, on voyait du gros pâté. Ouais, par contre, voilà, on n'a pas vu trop le gameplay, on le verra plus tard. On n'a pas de date de sortie approximative, on n'a pas vraiment de gameplay non plus. Mais l'univers était là. Si ça sera sur Switch, hein.
faut le souligner. On sait pas bien jouer. On sait pas sur quoi ça va sortir. Ouais. Voilà. On est même pas sûr de jouer les mêmes le même personnage que dans le 1 parce que. Finalement, pour début, dans tout le trailer, on voit deux autres personnages qui se baladent et qui, quand même, ont du charisme. Donc, je suppose qu'ils seront jouables ou que ce seront des alliés. Au final, ouais, moi, je me rends compte, on a vachement peu d'infos en fait, mais on sait qu'il sort. Voilà. C'est sûr. Et, ça y est. Franchement, c'est genre. C'était au point je me suis demandé, c'était vraiment ce jeu-là pendant le trailer parce qu'on voyait pas les personnages principaux et que dans le 1 il y avait eu un gros cliffhanger et donc il fallait qu'ils reviennent, c'était obligé. On a douté jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout on s'est demandé. C'est la dernière image, hein. Tu vois les yeux verts de Jade et tu sais que c'est. Et là c'est bon. Bon, et voilà, c'est mieux que toi pour en parler, Victor, parce que bon voilà, c'est le jeu que t'attends depuis longtemps. Et Michel il a apparu, il était tout content, tout fier de son petit bébé. Mais on peut le comprendre parce qu'il en a chié pour le développer, et j'imagine celui-là. Et je vais quand même le dire, ce trailer m'inquiète sur un truc. Vas-y. C'est que s'il y a une chose que j'avais adoré moi dans le premier Beyond Good and Evil, c'était le côté tu es photographe, tu prends la faune en photo, ça te rapporte de la thune, et tu prends tu t'infiltres dans les bases ennemies, tu prends les trucs en photo pour les dénoncer. Ouais, et on n'a pas vu de gameplay donc. Alors oui, je sais, mais voilà, j'espère qu'il y aura toujours la photographie parce que moi c'est un côté que j'avais adoré chez Jade dans ce truc. Et en plus, moi qui étais. J'adore les bestioles bizarroïdes de manière générale, je pense que vous l'avez compris moi entre. La conférence d'hier où j'étais à fond dès qu'il y avait une bestiole. Là tu vas te régaler, etc. J'espère qu'on en aura encore dans. Ah mais apparemment là, c'est Jade, c'est ça? Ouais, Jade. Elle a pris un grade, elle est devenue chef d'une escouade de piraterie. Elle a l'air, c'est plutôt des pirates chefs. Voilà, ça, ambiance encore pirate. Parce que ce qu'on peut retenir par rapport à tout ce qu'on a vu, même Microsoft et tout, il y a beaucoup de piraterie qui revient au goût du jour. C'est ça. Et bon, ça c'est normal. C'est quel jeu deviendra le roi des pirates? Voilà, donc. Et bien, moi pour l'instant, c'est vrai que ce jeu c'est très bien en plus fait de leur part parce qu'on. On ne savait pas qu'il allait le mettre, toi. Michel, il avait dit, il avait tweeté, il a dit « Non, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le présenter. » Il t'avait vu, cet enculé. Il t'avait appelé. Je vais l'appeler, moi. Espèce de petit grigou, Michel, quoi. Petit grigou, quoi. Petit fou. Et il nous a fait plaisir, il a fait plaisir à Victor, mais nous aussi, on aussi hypé. Allez, on vous mettra les best-of, vous allez voir le cri de joie. Le cri de joie de Victor, putain, ça venait du cœur quoi. Taisez-vous, voilà, c'est ça. Taisez-vous, fermez vos gueules les gars, laissez-moi apprécier. C'est vrai qu'attends, il était attendu quand même, même Michel. J'aurais peut-être été déçu par la conférence, mais là je peux être plus heureux. Et ce trailer, je vais me le mater 10 fois pour. Tu vas te grouiller, 20 fois. Donc il y a un personnage, c'est un singe, et c'est probablement la mascotte de l'équipage pirate, puisque c'est les Space Monkeys. Et il a un bras robot qui lui permet d'attraper des trucs. On va le voir, regarde, je balancerai le trailer, t'inquiète, ils vont tout voir les gars. Ça marche, mais voilà. Écoutez, bonne conférence. Franchement, sérieuse, correcte, et même je crois que c'est la meilleure pour l'instant. Elle était pas trop longue en plus. Ouais, moi je trouve que c'est la meilleure, la mieux rythmée. Et ils ont pas trop bataillé. Et puis, comme tu l'as dit par rapport aux Assassin's Creed, ils ont dit vous inquiétez pas, vous n'en entrerez plus. Et puis, il y a des nouvelles IP. C'est ça, ils ont été simples. Toujours des nouvelles IP, ça c'est bien. Des jeux qui font rêver, comme ce Beyond là qui nous vend du rêve. Des jeux rassurants, parce qu'il y a des jeux Switch pour moi qui, fan de Nintendo, ça me rassure aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, du tout bon. Ouais. Et une bonne conférence 2017 pour Ubisoft. Franchement, ils ont fait fort là, Donc, on vous remercie les gars. Merci vous les gars. Vous faites votre propre avis. N'hésitez pas à la case commentaire pour nous dire ce que vous en pensez vous aussi, les mecs. Petit abonnement. Voilà, petit pouce bleu si ça te dit, mon pote. Bien sûr. Et puis écoutez, et puis, on va vous lâcher avec le cri de guerre. Voilà. Allez, et viva et dia. Allez, tchuss les mecs, tchuss les gars. Bien mon gars. Yes. 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 Y